Julien, content de ne pas venir en dehors. On est en 7ème position et tu as 11 tirs de retard sur lui. Donc pas de problème pour qu'il passe à tout. Mais il est en 7ème position. Donc moins de 4 minutes maintenant. Jérôme Evoy qui est en train de s'attaquer à M. Walter, ça se passe dans les marches, la une derrière la tête. Merci la voiture. M. Walter qui a appliqué, il a laissé, il a ouvert. Et je vais vous montrer le pilotage. Je vais laisser passer qu'elle a la faute. Est-ce qu'il faut la remonter, bien sûr. Le pilote a pris suffisamment d'avance maintenant. Et si on regarde ses premiers, je pense que ça n'a pas le terrain. Et il doit aller dans la lutte. Je vous dois dans l'escalier. Donc il y a une partage qui a pris un petit peu d'air comme Guillaume Carissima. Premier, le deuxième, le troisième, c'est Jonathan Bateau. Il est au comptage, il est suivi de très près par Tom Robin. Une faute de Romain Walter. Et juste derrière, on a Monsieur Molin. Renaud Molin qui essaye de se mettre à la piste de la remontée de Jérôme Aigouin, qui est en 7ème position. La voiture de Héroïne qui est dans la ligne droite, qui a pris un très très mauvais départ et qui remonte progressivement vers les places qualificatives pour la finale. Et il lui reste une dizaine de minutes pour y arriver. Et c'est son équilibre à la ligne droite devant le podium. Ça se rapproche derrière, Jonathan Bateau, Tom Robin. Ça se recherche sur les 4 premiers pilotes. Et le leader au comptage, il y avait beaucoup d'écart. Il ne s'approchait pas, ça serait dommage. Il y a beaucoup d'avance sur les concurrents. Voilà, Romain Walter au comptage maintenant. Et le 6ème, dernier qualifié pour l'instant. Renaud Monin. On va regarder l'écart parce que ça fond comme neige au soleil. Le 7ème du comptage, Jérôme Aigouin. 5 secondes derrière Renaud Monin. Jérôme Aigouin qui nous sort des tours en 42.5. Donc il tourne au moment où il tourne plus vite que tout le monde. Et il est en train de remonter à Budeuil sur Renaud Monin. Renaud Monin, à 6ème position, c'est la voiture numéro 11, qui arrive dans les bouts, dans la partie centrale du circuit. Et Jérôme Aigouin, la voiture 1, qui est à son tour dans les bouts. Attention dans la descente, attention dans la descente, merci. Voilà. Petite erreur de Guillaume Carissima, Jonathan Bateau s'empare de la 2ème position. Tom Robin est passé également. Et Jean-Pierre Bateau. Qu'est-ce que c'est pour lui ? Alors, solide leader Jean-Pierre Cartel derrière. On a deux pilotes qui sont Jonathan Bateau et Tom Robin en deuxième en troisième position. Guillaume Carissima qui a pressé un petit peu de rythme qui est en 4ème position. Ça va rentrer, tous les pilotes vont rentrer. Ça ravitaille. La jonction est pratiquement faite pour Jérôme Aigouin. Les deux pilotes ravitaillent. Peut-être va ressortir en premier de temps.
prend pas dans les jambes. Je pense que ça passe quoi. Voilà, je l'imaginais bien. Un passage de Jérôme Bégoin qui vient sur l'entraînement de ravir la sixième position. La sortie du ravitaillement. Il n'avait pas de doute sur son moteur. Et il a été posé sur le deuxième plateau. On va se retirer sur le 3. Alors, après les ravitaillements, quand c'est une certaine rangée de combat de route, comme on a dit.